écoute. Mais oui, mais oui. Mon Dieu. Triste. 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 Aïe, 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 ce stream qui commence à l'arrache. Bref, bonsoir à tous. Bienvenue sur la nouvelle série Fada Studio du vendredi soir. Ce soir, je serai tout seul. Je ne serai pas avec Oda vu qu'il est excusé. Il a l'anniversaire de sa fille. Donc, du coup, on va faire un petit stream en solo. Et ce soir, je me suis dit qu'on allait tester Scorn. Ne t'inquiète pas, OM, pour l'animation du début. De toute façon, il faut que je la retravaille. Comment ça, son son ? Bonsoir! Comment ça, sans son? Il y a du son, là. Me dites pas qu'il n'y a pas de son. Je le vois, mon micro qui bouge. Non, mais des fois. Donc, je me suis dit... Salut, tonton, comment vas-tu? La forme? Ah, c'est bon. Ça va, tu me rassures. Donc, je me suis dit que ce soir, on allait tester ce jeu, parce que ce jeu, on l'a fait gagner la semaine dernière, et il me tente bien quand même, il me tentait sacrément, ça fait un petit moment que j'avais vu le trailer et que j'en entendais parler. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, on va le prendre, on va tester, on va voir ce que ça vaut. Je sais même plus qui c'est qui l'avait gagné, ce jeu. Je crois que c'était Netfox, je sais plus. Enfin, bref. On va découvrir ça ensemble ce soir, j'espère que ça va vous plaire. Here we go. Donc, alors, je n'ai jamais joué au jeu, je ne me suis rien spoil. Le seul truc que j'ai vu, c'est le trailer du jeu. Un très bon jeu. Eh ben écoute, on va découvrir ça ensemble. Si le son du jeu est trop fort ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, je corrigerai, au cas où. Nouvelle partie. Ouh. N'hésitez pas aussi à tester, vous avez des nouvelles emotes qui sont apparues. On en a fait plein avec Oda pour vous régaler pour tous les subs et compagnie de l'autre fois. Vous avez plein de trucs très marrants, j'en ai rajouté une tout à l'heure même d'ailleurs. La Fantasy Skull. Ce soir c'est horreur. Ça commence cash comme ça quoi, y'a pas le temps de niaiser. Salut Révi, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Donc le jeu, comme vous le voyez, le jeu a l'air assez perché. Oula, et j'ai des lags ou je rêve là? Ou c'est la vidéo qui fait ça? Je redémarre, j'ai plus. Ça va super hâte de voir s'il vaut le coup et fait bien flipper. Bah écoute, on va découvrir ça ensemble. Hein. Comme je disais, je me suis absolument rien spoil dessus. Donc je sais absolument pas ce qu'il vaut. Peut-être qu'il est bidon, peut-être qu'il est génial. Je ne sais pas. Seconde, voilà. J'avais un truc qui me perturbait, c'est bon. Déjà, on est à poil. Non, si en fait, c'est pas genre l'arrivée en enfer ou un truc comme ça, tu vois. Ok, we are in game. Donc, je peux me déplacer, je peux courir, même si ça court pas très vite. Par contre, là, putain, la Sensi. La Sensi, elle est costaud, quoi. Bonjour. Voilà, bonsoir à tous. Kalissi qui reconnecte et redit bonsoir à chaque fois qu'elle reconnecte. Attention. Ah oui, non, mais j'ai des problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On met ça. Voyons. Regardons. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va être mieux? Alors, je sais pas si c'est quand je tourne ou quoi, mais. Ok, Miss Tentacule. Si, putain, mais j'ai des frises. C'est quoi ces frises là? Attendez, on va faire. On va regarder. Déjà le flou cinétique, peut-être pas. Peut-être la synchro verticale qui casse les couilles comme d'habitude.
dans la plupart des jeux. Là, je peux pas aller au milieu. Avec par là. Oh putain, dès que j'arrive dans une zone, ça freeze. Essaye de régler ça quand même. Faut pas déconner non plus. Plafond, je veux pas de plafond. Tu mets 120 FPS si tu veux. Petit crénage, texture. On va diminuer un peu les ombres. Parce qu'en général, c'est toujours ça qui fait chier. Voilà, on est passé à 120 FPS, tout va bien. Tout va bien. Bon, déjà, on est largué dans le truc, il n'y a pas de... Oui, mais ça ne se souvient plus, elle a buffé, c'est pour ça. C'est ça. Ah, mais c'est relou ces frises, là. On nous lâche dans le truc, il n'y a pas de bonjour, vous êtes ici, bonjour, il y a ça. Démerde-toi. Ça déjà j'aime bien. Oh ouais. Est-ce qu'on se voit? Oui, on voit des bouts de mains et des bouts de pieds. Magnifique. Ce jeu est bien fait. Ok. Et pousse! En tout cas, l'ambiance glauque est là. Hein. Ouais, on passera pas par là-dessus. Bonjour! Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est perché, hein. Voilà, lui il voit des trous, il met la main direct. T'as pas l'air très humain ou alors t'as des problèmes de peau. Ah ouais, je pense qu'il y a des sacrés problèmes. Ok. D'accord. Vous faites maintenant partie de la confrérie des assassins. Ouais, c'est beau. C'est vrai que les graphismes sont très beaux. Enfin, l'ambiance est là. Ah, un autre point. Et si on mettait le bras dedans? Alors le truc, ça a l'air à moitié organique et tout, c'est... Hey. Ah, ok. Alors, attends, direction. Direction. Utiliser. D'accord. Là. Utiliser. Ok, je comprends. Pas le temps que ça rentre, hein. Ah. Pardon, c'était pas prévu. Oh putain, ça se referme, ok, d'accord. Donc en gros, faut courir. Ouais, mais d'abord, moi, je vais aller voir s'il y a pas un truc qui traîne, hein. Parce qu'on est là quand même pour. Non, y'a rien. Bon. Donc la porte ne sortira pas. Ou alors, est-ce que je peux la rebloquer une fois qu'elle est ouverte? Tac, ici, hop, hop. Non, vraiment t'as pas le choix. Cours, Billy. Est-ce que certains d'entre vous, à part Tonton visiblement, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà le jeu, ont déjà vu un petit peu? Je veux... Mais... Je veux aller voir ce truc. What was that? Le mec, il voit des trous, il est obligé d'y mettre les doigts. Quel pervers. Yep, je l'ai vu en stream, mais pas l'intégralité. Ok. Donc là, ça a tiré ça. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Ici.
Derrière le cochon. Mais oui, c'est un petit saligo, ça. Je peux pas y toucher ? Non, je peux pas. Ok. Je vais aller là-haut. On se barre d'ici. Je veux me remonter. Je vais aller tout en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow. Oh, c'est perché. Alors, attends. Ah, c'est des rails. Oh, putain. Ok, donc en fait, ça, quand je vais le lâcher, ça va aller... Là, j'ai quoi ? J'ai ici ou là ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bordel. On va aller étudier ça de plus près, hein. Ok, donc il y a un système d'aiguillage. Il y a de l'aiguillage à faire. En gros, je peux aller de ce côté-là ou ici. Mais qu'est-ce qui est le train ? Ça le truc. Est-ce que c'est ça le train ? Si c'est ça. Ah si, par là, je peux l'envoyer. Là, à partir ici. Ok. Là. J'ai basculé l'aiguillage, donc ça part de ce côté-là. Parce que si ça va là-bas, c'est pas bon. Et ici, il faudrait que je rebascule, je pense. Ou pas. Si je vais là, il y a quoi? Bonjour. Putain, il y a des trucs partout, je sais pas ce que c'est. Mets tes doigts dedans. Joli mec, mais ses extrémités dans tous les trous qu'il croise, c'est un peu étrange quand même. Non, c'est pour Oda à la base. C'est lui qui aime les trous. Ok. J'essaie de comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a, parce que je peux aller partout, mais du coup, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, il est presque en haut. On va sortir. Ah, il y a un autre truc là, putain. Mets les doigts. Énigmes de partout. Alors, si quelqu'un comprend le but de la chose, je suis preneur. Bon, donc ça, celui-là, c'est un double. Ça, c'est un basique. Non, à côté. Je comprends pas ce que je fais, hein, je vous le dis. Hein. je fais, mais je sais pas. Hein. On verra plus tard. Ok, donc le jeu va être vraiment en mode démerde-toi et trouve. Ça, ça fait quoi? J'aurais pris le bon. C'est pas le bon. Donc faut en trouver un plus solide. Du coup il y a celui à droite là qui a deux petits points jaunes, il m'intrigue un peu. Parce que les autres sont tous par deux, quasiment. Et celui-là, il a un truc spécial. Il a des couleurs et je peux pas le bouger. Pourquoi je peux pas le bouger? Ah ok, ça y est, j'ai compris le puzzle. Toi. Celui-là, il a une hauteur en fait. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Ah, je peux aller que vers le haut ? Non, ils sont sérieux? Ah, mais parce que là, il n'y a pas... Oh, putain, l'arnaque, là, il n'y a pas de truc ici, en fait. Oh là là là, ça complique tout, ça. Vous voyez ça plus simple, à la base.
Déjà, faut dégager ça. Un jeu où un mec met ses extrémités dans tous les trous qui croissent. Ah bah non, mais j'ai vu. Alors. Ouais. C'est les délires Oda, les trous là-bas. C'est pas les miens. Mauvais casting, quoi. Putain, ça va être chaud de le passer en entier, lui. Mais là, faut que je l'amène jusque là, après que je le descende. C'est-à-dire qu'il faut, avant de le passer lui, faut que j'évacue tout. Oh, celui-là, il est par 4, on ne parle même pas. Donc, on va essayer déjà de faire ce qu'on peut. C'est-à-dire, toi, tu vas ici. On évacue. Toi, ici. Toi, ici. C'est compliqué, quoi. Un vrai bordel, j'ai passé 30 minutes dessus, mais tu m'étonnes! Ça continue ici ou pas? Non, je peux pas aller plus loin. Donc toi, ici. Ce qui ne change pas grand chose au Schmilblick, vu que je peux rien passer là-haut. Donc tu vas rester là. Maintenant, ce que je veux, c'est envoyer un double là-bas. Donc pour envoyer un double là-bas, je fasse ça, ça. Je suis obligé de garder les deux ici. Quelle histoire. Donc, toi tu descends, tu vas ici. Hop. Non, t'es. Toi tu descends. Toi tu viens là. Tac. Toi. On peut être là, on s'en fout, c'est pareil. Que je veux, c'est lui là, 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 ici. Ça dégage. Toi, tu dégages. Tac, tac. Toi, hop, hop, voilà, on évacue là. Ok. Alors, c'est maintenant qu'il faut pas se chier. Parce que là, 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 ça va être la merde. Ça va être la merde. Parce que il y en a un là-bas qui me fait chier. Il faut que je ramène là. En fait, c'est le solo là qui me. Qui me casse les bips, on va dire. Non, ben non, en fait, faut que je fasse ça. Toi, ici. Ici. Non, pas ici. Hop. Là. Toi. Ici. Et là, c'est bon. On est bon. On est bon, on est bon. Ou presque. Si je repasse celui-là, je peux pas passer quand même. Ah, ils vont me saouler jusqu'au bout, quoi. Il faut que j'occupe tous les emplacements à droite. Fais chier. Tu vas là, toi tu viens ici. Vive les énigmes, moi je vous le dis. Hop, toi tu vas aller là, par exemple. Toi tu vas faire. Hop. Toi tu viens là. Ici. Non, à côté, putain. Oh le bordel. Problème, je peux pas le passer. Non, c'est chiant ça. Donc, je peux pas le passer. Si, je peux le passer.
faire ça. Voilà. Et là, ça passe. Hop, toi, tu reviens là. Et on est bon. Putain, ça commence bien le jeu. Et donc là, maintenant, on quitte. Et on active celui-là. Quel bordel! Quel bordel! Elle me dit pas que c'est pas le bon. Ah voilà. Oula. Bonjour. Définir en Sharpie, c'est normal. On a fait moins de 30 minutes, tonton. On a fait mieux. Ok, donc ça, ça descend. Ici, j'ai plus rien à foutre, je crois. C'est quoi ? Putain, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On dirait des... Non. On va pas le dire. Ça, c'est les portes, mais je peux pas les ouvrir. À part faire tout le tour. Ah, si. Mais il y a des accès partout. Comment je repars, moi? Allez, retour en arrière. On redescend, on va voir ce que ça a donné. On y croit. Encore une fois. Le là-haut tu parles? Ou un tour complet Attends, tu me mets le doute là. Non, le truc il est descendu, j'ai pas besoin de rebalancer une deuxième fois. Ah putain, il va me faire galérer. Non, je redescends. C'est bon. Je dois venir. Ouais, en bas. S'il faut remonter, ben on remontera. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, je suis vraiment largué en mode je ne sais absolument pas ce que je fais, pourquoi, comment. Bonjour, c'est pourquoi. Donc là, je suppose que c'est pour récupérer le bordel. Il sera arrivé, ça, ça fait quoi? Ok, ça va récupérer. Bonjour. Ah. D'accord. Et là, ça place. Ok. Je commence à comprendre. Donc là, il faut que je retourne au système d'aiguillage. Je suppose que le genre de tas de bras et compagnie que j'ai fait tomber est arrivé sur le petit wagon. C'est quoi le truc là? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, il y a trop de trucs. Alors, il est pas sur le petit wagon, il est là. Mais je vais pouvoir le récupérer avec ça. Et il fait du bruit, il est pas content. Comment je le récupère? Comment j'active ça? Alors, il y a ça qui s'est activé, qu'est-ce que ça faisait déjà? Je sais plus. Tire! Ouais, on dirait genre il y a un truc qui bloque un peu. Ok. Donc faut que je trouve le moyen d'activer cette pince. Je suppose que c'est ça. Voilà. Bonjour.
pas sur ton siège. Merde, attends, je peux pas le... Avance pas. Et y a pas vraiment le choix. Si là je quitte, est-ce que lui je peux le pousser ou pas? Donc si je comprends bien, faudrait que lui... Je sais même pas comment le faire tourner. Bonjour. Oh mon dieu qu'il est joli. Regardez-le. Mais il est mignon. Il vient de naître. Donc là, faut que je ramène un truc ici pour le récupérer. Par contre, moi j'ai envie de le laisser en position basse, en mode... Il y a un truc qui passe, il te fauche et puis voilà. Non, descends. Ah, mais j'étais déjà en bas en fait. Ah, reste là. Ça le relève un peu. Ok. Ça, je peux toujours pas y toucher, je sais pas pourquoi. Donc, une fois que je l'aurai récupéré... Ici. Donc là, en fait, faudrait faire un tour. Tac. Ici. Et faut que ça revienne de l'autre côté. Donc pour l'instant, je serai bon. Sauf là. Oh là là. Quel bordel. Bon, je suppose qu'il me manque un truc de toute manière, vu que je peux pas mettre le pseudo œuf dedans. Ça, c'est quoi? Mets les doigts. Ça repète direct. Et ça. Ça a failli casser. Donc en gros, tout ça pour dire, c'est pas une bonne idée. Ici, qu'est-ce qu'on a? Moi je vois des trucs où faut mettre les doigts, je mets les doigts. Donc lui, hop, tu peux aller de l'autre côté. Et récupérer ce qui doit être, je suppose, le wagon. Non, pas ça. On va voir. Histoire de ma vie ça. Ça va Chris, la forme? Bah bien et toi? Bah mets les doigts. Ah ok. Bon. Il faudra peut-être le ramener ici, quoi. Ok. Donc. C'est compliqué l'histoire. Faut que je trouve comment récupérer cet œuf. On va appeler ça l'œuf, hein. Comment on peut l'appeler ce truc, de toute façon, c'est un peu difforme. À la recherche des trous dans lesquels nous n'avons pas encore mis les doigts. Il y a des portes de partout, il y a des passages dans tous les sens. C'est ouf. Eh, tu te calmes. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a une pièce, mais je peux pas rentrer. T'as besoin d'aide, je suis un vrai sniper de trou. Eh ben écoute, franchement, j'en trouve plein, mais pour l'instant, je comprends pas à quoi ça sert. On va remonter... Ben là, c'était que l'aiguillage, mais le problème, c'est que... Alors, peut-être que si je trouve le bon aiguillage, le truc va partir. C'était là, et y a rien d'autre. Ok. Allez, on reteste. Alors, le truc est là, mais je peux pas le sélectionner ou quoi, par contre. Juste bouger ça. En fait, soit je l'envoie là-bas, soit je l'envoie à la découpeuse, quoi, en résumé. Là, normalement, avec le chemin que je fais, ça part sur de la découpe de berceau, là. Mais, le souci étant, il faut arriver à bouger cette saloperie en bas, là.
Sors. Et il y a aussi ce truc là. J'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Mais vraiment. Complet. Complet, complet. Si on va ici, ça revient à la salle où je peux le ramener, je crois. Non, là c'est fermé. C'est celle-là où je peux le ramener. Et donc là, on a un truc ici qui peut le prendre quand il sera là. Mon ex aussi avait pas compris à quoi ça servait. Eh oui, mais c'est tellement ça. Ah, visiblement, il y a déjà un paquet qui sont passés qui ont pas compris non plus. Là. Un trou, un méga trou, mais on peut pas aller dedans. Là, j'ai tout essayé, y a rien qui bouge. On va retourner à l'étage. On va voir. Du coup, c'est à toi de trouver le pourquoi du comment par rapport à l'histoire. Bah, apparemment, oui. Parce qu'on m'a mis là en mode. Bonjour, démerde-toi. C'est. En vrai, je pense que c'est bien résumé. Bonjour, tu es dans un monde que tu ne connais pas avec un perso, tu ne sais pas ce que c'est. Démerde-toi. Merci. Donc ça c'est fait, l'énigme ici elle est bonne. Après. Est-ce que là-haut, il y avait un passage que j'avais vu. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est la question. Là. Ouais, d'accord, ça marche pas pour l'instant. C'est tellement ça, coloscopie en VR, complet. Alors vous noterez ici la formation de l'hémorroïde. Voilà, je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où sont les trous? Ah. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Une porte, c'est terminé. De l'autre côté, je peux pas y aller. Ici, je peux pas y aller. Et y a pas de truc. Comme ça, ça se pousse pas, non? Ouais, 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 ouais. Donc là, on est un peu dans la merde. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez des idées, le chat? Je pense qu'on est pas loin de la vérité, mais je vois pas comment pousser le truc de base en fait. Alors je vais peut-être essayer une autre touche, il faut, il y a un truc que j'ai pas fait. Cette porte, visiblement, faut être deux, donc je suppose qu'il faut que je libère le bordel pour qu'il m'aide à l'ouvrir. Je suis sûr, il y a un truc avec ça, hein, mais comment le tourner ou faire quelque chose avec, quoi. Vraiment rien faire. Je me dis que j'ai pas ce qu'il faut. Une ol, tu chauffes, je te laisse 30 minutes. Quel enfoiré. À part l'aiguillage, en fait, je vois pas, quoi. Je vois pas comment je peux faire quelque chose. Lui, il bouge que de haut en bas, de bas en haut. Pas de droite ou gauche là-dessus, non, il est plus vers le bas. Là, et c'est tout ce que ça fait. Peut-être qu'il faut le laisser en haut. Ah ben, putain, voilà. Putain, mais j'y crois pas, quoi, depuis tout à l'heure. Là, c'est le drame. Donc, la question qui tue. Dans quelle salle je l'envoie? Celle-là ou l'autre? Le coup du truc qui découpe, je suis pas convaincu. On va peut-être essayer cette salle d'abord. Hein. Voir ce que ça fait. Salle numéro 2. Alors.
Lui, il est là. Donc, il me faut... C'est... celle-là ou celle-là? Non, c'est celle-là. Tac. Aiguillage calibré. Ça part en prod. Donc là, faisons pas les cons quand même. Il va partir ici. Là, il prend l'aiguillage, parfait, et il part dans la pièce là-bas. C'est bon. Allez, Billy, on va se promener. Allez, viens, on va faire un petit tour. Oh, il se tient, il est mignon. Alors, est-ce que ça, ça sert à quelque chose? Du coup, moi, je vais essayer. Attends, bouge pas. Bouge pas, on va faire un truc. On va te poinçonner le ticket. Ok. On lui a fait quoi là? Et calme-toi, Bi, ça va aller. Mon premier jour à l'école. Ah, lui, il est content. Alors, Billy, deuxième essai. Tu vas voir, ça va être bien. Ça va te plaire. Viens par là. Allez faire un tour. On va aller de ce côté. N'est-il pas mignon? Hop. Voilà. T'inquiète pas, ça va aller. Peut-être sorti trop vite, non? Je pense que c'était pas la bonne solution. Ou alors peut-être que si. Hein, y a un truc. Oh ça! Un bras? 002. Alors je pense... Je pense, hein. C'était pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à ça? Non, pas là, ici. Ah, mais si, attends. Je pense que j'ai deux bras à récupérer pour la porte, en fait. Je m'en bats les couilles du Billy. Juste le bras qui m'intéresse. Genre là. Ça, ce sera pour moi, et dans l'autre, je peux mettre les autres bras. I got an idea! Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ce bras? Pose-le. Va le mettre. Si, voilà. Tiens. Ah ben non, ça va pas là. Par contre, ça peut aller là. Ouais, il faut que j'ai les deux pour que ça marche. Il faut que j'ai les deux bras. Donc maintenant, en fait, à mon avis, il doit rester un autre bras planqué derrière. Qu'on reprenne le bordel et qu'on l'amène au niveau de la scie. Here we go. Ah putain, je suis niqué. Bah j'en fais quoi du bras, moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? À un moment donné, on va retrouver où le mettre. Putain, mais je peux utiliser aucune machine en plus du coup. Bon.
pas moyen de le poser ou quoi. Attends, inventaire. Non, j'ai pas l'inventaire. En fait, mes touches pour l'instant ne servent à rien. Vraiment, juste tu peux avancer. Qu'est-ce que je fais avec ça, bras? Oui, mais tu peux te gratter le dos facilement. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, tout le but de l'opération, c'était ça, quoi. Se gratter le dos. Là-dedans? Non, non, ça, j'utilise moins. Non, c'est pas ça. Putain, mais j'en fais quoi de ce bras de merde? Aller là-haut, je peux rien en faire. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Là, j'ai rien à faire. Là, non plus. Là, je peux plus y toucher. Tu me fais chier avec ton bras, toi. Hein. Ah, mais je suis bloqué ou quoi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un autre à faire descendre, peut-être? On va aller voir. Parce que genre, faut en amener un premier ici, le deuxième ailleurs. On va voir si un nouvel œuf est apparu. Bah ça, je peux plus toucher aux machines, donc il y a forcément un truc à faire avec. Il y a notre œuf là. Air à point. Ça s'est resté comme je l'avais mis. Je ne pense pas pouvoir m'en resservir. On va tester, mais je crois pas. Je vais avoir mal à la tête plus vite que la musique avec ça, moi. J'avais pas prévu de jouer à Myst, en fait. C'est un peu le même genre. Hein. Réfléchissons. Si j'avais un troisième bras, qu'est-ce que je ferais? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il n'y a pas moyen de te poser, de faire un truc, de te ranger, je sais pas. Seul truc auquel je peux toucher éventuellement, c'est l'aiguillage. Et encore, je suis même pas sûr. Pas t'aider, j'avais utilisé la scie. Ouais, mais s'il faut, je suis niqué. Hein. Pareil, c'est ça. Hein. S'il faut, c'est dommage. T'as loupé la game. Faudra bien qu'il reparte de toute manière. Et là, on irait vers la scie. Avec ça, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on fait avec un bras? Est-ce qu'il y a moyen de le mettre au niveau de la porte? Non, non, enfin, que je regarde, je vais regarder vite fait le nom du succès que j'ai eu là. Parce que s'il faut, dans le succès, il y a marqué bravo, vous êtes niqué tout seul. Succès. Main dans la main. Bon, ok, non. Dans la machine où t'as mis ton implant. Ah, mettre un implant sur le bras, pas con. Pas con. Mais ah oui, mais je peux pas. Je peux pas retourner en arrière. Que moi, je viens de là. Je peux pas rouvrir la porte ici. Donc je suis niqué. Eh, je peux pas.
je suis perdu. Ah, tiens, un doigt en trop, tu vois. Clairement, c'est ça le problème. Ce bras a un doigt de trop. Je peux plus m'en servir. Que dans le tas de bordel là, il y a un autre bras ou un truc à trouver. Il y a rien. Il y a que dalle. Hein. Je pense qu'on va y passer longtemps sur cette énigme. Alors j'en profite les amis, n'oubliez pas, hein, demain soir 21h, on fait la suite de Devil in Me avec Oda. Qui pouvait pas être là ce soir c'était l'anniversaire de sa petite fille. Du coup... Du coup on fait ça demain. Vous verrez si Oda arrive à sauver ses personnages comme j'ai sauvé le premier. Pour une fois. C'est pas dit qu'il reste en vie jusqu'à la fin. Il n'y en a pas d'autres là. Je sais pas quoi faire. J'ai plus ou moins tout essayé. Le seul truc que j'ai pas essayé, c'est la porte qui est là-haut au niveau de l'ascenseur. Dans la deuxième salle. N'oubliez pas aussi, je vous invite à regarder vos nouvelles émotes. Hein. Vous en avez plein. Vous en avez fait plein. Vous aurez de quoi rigoler pour les utiliser demain. Ou aujourd'hui. Tiens, vas-y, attends, j'essaie de choper un autre œuf. Hein. Mais ouais, mais je peux même pas. Je peux pas me servir de ça du coup. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ça. Non. Mais non, ça a duré trop longtemps. Là, ça se complique. Ça se complique un peu. Donc, l'autre salle, elle est par là. Retourne ta tube, buddy. Attends, je vais y retourner. Non, ça on peut pas. Alors, j'y retourne. Est-ce que tu as la solution pour me débloquer, tonton? Est-ce que tu vas être mon sauveur ce soir? Ok, on y est. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu ici? Est-ce qu'il y a un bras qui a volé ailleurs et que j'ai pas vu? Ça, je peux pas y toucher. Peut-être moi je l'ai pas tué. Pas possible, il doit y avoir quelque chose à faire avec. Pas moyen de changer, de mettre la main, de... Ah, à droite du couloir. Tu
plus là. Notre bras serait caché. Ah ouais, mais là j'arrive à la porte. Ah, il y a un trou. Mets le bras dedans. C'est une solution alternative en fait. Je pense que t'as, en gros, t'as des choix. En fonction du choix, c'est différent. Non. Eh bien, je suis paumé. Enfin, y a pas 50 000 possibilités, quoi. Il y a une entrée là-bas. Il y a une raison de me montrer ça. Une entrée de ce côté-là. Et là, j'ai pas d'accès. Il y a une autre machine pour mettre l'implant. Ah bon? Où ça? T'as vu ça où? Ici en tout cas c'est sûr. Là je peux rien faire. Ça je peux m'en servir. Mettre le bras, faut lui mettre le bras dedans parce qu'il voulait pas le mettre à la base. T'as le bras là? Ouais, il veut pas. Il y a cette pièce là, mais je vois pas comment y aller quoi. Absolument pas comment je peux y accéder. Ah non, mais je pense que personne voit là. Hein. Là, ça va être la merde. Ça va être la galère. Rien. Ah, du coup je peux pas m'en servir. Mais d'accord, voilà, ça rentre pas. Non plus. Ça, ça sert pas. On va y aller. On tombe par les deux scies, tu peux pas couper les doigts. Ben non, je peux pas le poser dans le truc de la scie, c'est pour ça. En fait, j'ai pas fait le même choix que lui. Lui, il l'a amené directement au troisième truc, là où il y avait la scie circulaire, il l'a découpé. Moi, j'ai pas fait ça. Mais visiblement, ça pose problème. Parce que là, c'est la merde. On va aller voir là-haut.
m'a suivi, putain, me dit. Oh, t'as eu bien de la chance qu'il te suive, parce que moi j'ai que son bras et je sais pas quoi en foutre. Ça, c'est pareil, je peux plus y toucher. Toutes ces machines-là, je peux plus y toucher. Je vois pas comment faire, hein. Sérieux. Vraiment, quoi. Ah, c'est un truc de fou. GG, il y a quelque chose ici. Il y a encore le chariot qui est là. Un truc que j'ai loupé, quoi. Ou alors, est-ce que genre le premier truc où je l'ai passé, là où ça a pissé le sang, il a pas fait tomber un bras. Et j'ai pas vu. Ici, là. Ah, il n'y a pas de bras, quoi. Pas de chocolat. Il n'y a pas de bras. Il faut trouver le tube pour mettre l'implant. Ben ouais, mais... À quoi ça ressemble? Je vois pas. Je vois pas, quoi. En vrai, je pense, on va aller voir à l'étage. Parce que le seul truc que j'ai pas complètement fouillé, je pense que c'est ça. Donc ça, je sais que ça sert à rien. On va faire un tour gratuit. Au moins que c'est là-dessus, j'ai peut-être un bras à récupérer s'il faut. Ces trucs-là, là. Mais bon. Ah non, tu me dis il me faut un implant, mais... Mais je vois pas quelle machine j'ai loupé, quoi. En fait, il y avait une solution qui était très simple et moi j'ai pris la pire. C'est ça le délire. Les pièges, je te dirais stop. Non, c'est pas ici. Eh ben, on redescend.
C'est chaud. Je vois pas où elle est cette machine, hein. Sérieux. Hein. Moi, je veux bien lui mettre hein, son petit pic au doigt là, mais je vois pas où c'est quoi. C'est ouf. Côté hop, alors attends. Les autres côtés, y a pas d'autre truc à part là. Alors, on revient ici. J'étais sûr que ça allait être ce truc là, mais... Merde, là je peux pas passer. Je suis sûr que c'est ça là, mais il faut que je trouve comment y aller. Je peux pas passer là. Ah putain, ça y est. Oh le bordel, je suis passé 10 fois dans l'autre couloir quoi. Ah oh, j'y crois pas. Merci. Enfin. Libéré, délivré. Allez, donc là, tu colles la main. Sauf que... Laisse la main. Voilà. Hop. Eh ben putain. C'est pas trop tôt. Oh, quelle énigme. Quelle énigme les amis. Cours. Ok. Petit ascenseur. Jusque là ça va. Une seule machine c'est bien. Qu'est-ce que ça va me sortir? On monte. Le monde est assez conceptuel, hein. Vraiment. Tu vois que t'arrives dans une nouvelle zone, hein, ça lui tire un peu sur la gueule. Au jeu. Alors, nouvelle zone. Putain, faut vraiment regarder dans le moindre recoin. Ah bah, il y en a eu un paquet de billes. Hop là, il y a des trucs qu'il faut pas montrer.
On regardera pas plus que ça. Non, je sais que je crains rien. Comme si j'avais 10 000 personnes et qu'il y en a un qui allait dire « Ah, il a montré un truc !» What was that? Ici, nouvelle commande. Bonjour. Un nouveau trou. On connaît pas ce trou. Non, on peut pas. C'est un trou de niveau 2. Ce trou n'est pas normalisé. Ça pas ici. Bonjour, 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 bonjour. Quoi de neuf? Pas grand chose. Là, je peux pas y aller. Des trous. Comme ça, Billy. Mets-le là-dedans, Billy. En fait, faut bouger et cliquer au bon moment quand tu passes devant. Perfect. C'est exactement ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai la capacité d'utiliser ces trous? Mais oui, des nouveaux trous! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cet hiver? Un observatoire. Bienvenue au nouveau télescope. Ah, est-ce qu'il y a des trucs par là? Parce que je suis pas allé au bout. Je pense que ça fait tout le tour et ça revient. Donc on va aller là. On va suivre. Bonjour. Ah, bienvenue dans Matrix, quoi. On dirait les champs. Les champs où on cultive les humains. C'est tout? Tout ça pour ça? C'est pour que j'ai une belle vue? Ok, d'accord. Je comprends. Okay. Donc il me faut quelque chose à poser là-dedans. La question c'est que... Y'a rien. Rien. Y'a rien. Ok. Donc... Y'a autre chose à faire avec lui. Je pense pas, mais bon. Vol, petit vol. Pas aller plus loin. Ce côté-là. Là, j'ai rien. Et là. Pas aller plus loin que ça. Bon savoir. Ok. Est-ce qu'il y a un autre de ces bordels qui traînent? Non. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ah, il y a un autre bouton activé, c'est bien ce que je pensais. Il y a un autre truc. Il est là. Ça, non? Oui, c'est celui-là. Clairement, faut aller le choper. Alors. Mais il y en a trois, même. Faut les choper comme ça, là? Direct? Pour récupérer cette capsule. Non, je peux pas utiliser. Ou alors il faut refermer pour pouvoir récupérer le truc. On peut refermer déjà. Non, on peut pas. On s'est réglé.
Ok. J'arrive à ouvrir cette série et celle-là. Là, y a rien. Eh ben, on va continuer l'autre côté. Voir ce qu'il y a de beau. Je suis pas allé de ce côté-là. Mais ça ramène au début. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Et donc ça, je peux pas y toucher. Non. Ça, faut vraiment chercher le moindre truc. Hein. Oh oui. Le mec qui a passé des heures. Oh oui. S'explique. C'était donc là. Bon, ça, ça me montre juste la jolie salle. Ok. C'est bien. Ici, ça fait le tour. Il y a un truc muche bizarre. Avec les corps qu'on a dit qu'il fallait pas montrer. Et là, je repars au début. Donc, maintenant qu'on a fait 8 fois le tour, cherchons la solution. Moi, je pensais que je pouvais récupérer le truc une fois que j'avais ouvert et le mettre dans le deuxième, mais non, ça aurait été trop simple. Faut bien trouver autre chose. Surtout que le pire, c'est que, en fait, dans toutes ces zones, on va y repasser, mais tout le temps, vu qu'il y a des trucs qu'on peut pas ouvrir, genre ça, là. Ouvrir que plus tard, donc ça veut dire qu'on va repasser encore par là et faire des allers-retours. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, c'est ça le pire. Il n'y a rien. Ce truc-là, il m'intrigue. M'intrigue grave. Parle pas trop vite. Effectivement. Pourquoi ça me sert de pouvoir te piloter encore et encore? Ah mais attends. En fait, tout connement, j'aurais pas vu qu'il y avait un étage à l'intérieur et que j'y ai accès depuis le truc que j'ai ouvert. Est-ce que ce serait pas ça la bonne solution? Alors, c'est bien ça, mais c'est pas ouvert. Je peux pas y aller. Ce que je comprends pas, c'est à quoi ça sert d'ouvrir ici si tu ne peux rien faire. Ça, le truc. À quoi bon? C'est compliqué hein, comme jeu quand même. Pas simple hein. Là, ici c'est cassé. Là, il y en a un à lever. Et là, il y en aura un aussi. Donc, il y en a trois.
Ce robot sert à quelque chose, c'est obligé. Là, il est au max. En hauteur, il est au max. Ah non, il est pas au max. Traverser, il est au max. On va faire juste le tour comme ça, il fait pas grand chose. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Recommence. Il faut le replacer peut-être. Pas les plus bas. Et là, je suis au max en hauteur. Mais vraiment, à partir de ces trucs là, c'est pareil. Mais il a pas l'air de vouloir. Il a pas l'air de vouloir tirer ces bordels. Va falloir trouver autre chose. Profiter de la belle vie. Il y en a plein, on peut pas en récupérer là-dessus. Là. Je suis là, là. Je vais le prendre là. Je le ramène, promis. Ici. Non, évidemment. Oh putain, je m'y attendais pas. C'est ça. Un truc ici. Ah. Ah bah voilà. Une arme. Ah bah voilà enfin. Ok. Maintenant les billes, ça va chier. Alors. Ça permet pas d'ouvrir ces trucs, on est d'accord. Ah si. Allez vous mettre en place, allez au boulot. Ah, je la protège. J'ai compris le business. Ah bah non, t'en penses.
Ah ouais, ok. Ah, saleté. Donc, celle-ci s'est mise en place. Maintenant, dégueulasse le bruit. Donc maintenant, tout va mieux. Attrape ça. Attrape-le, je te dis. In place. Eh bien non, je n'appuierai pas sur le bouton puisqu'on va faire les deux dents. Là. Here we go. Bon, après ça, comme première bestiole, c'est mignon. C'est... J'aurais pensé à pire. Ok. Je vais casser. Elle n'est pas vraiment vivante. Je dirais des yeux. Allez, on est bon. Enfin. On y arrive. Oh putain, je peux pas y toucher tant que j'ai pas. Bon, allez. Si tu veux. Mets les doigts là-dedans. Je vais même pas voir ce qu'il y a, je suis sûr que ça sert à rien. Super, monter le setup en plein milieu. Bah écoute, t'as pas loupé grand chose. Il est où là? Descends. On a les trois. Énigme résolue. Après avoir galéré à trouver ce putain de marteau piqueur là. En fait c'est ça, je vais avoir un moment de galère sur chaque énigme et puis après ouf, tout va d'affilée. Ah, il a pas apprécié. Ah, lui il était pas bon. Mon dieu, on l'a tellement gonflé qu'on en a pris une giclée en pleine face. Dégueulasse. Mais je retrouve de la peau. Ah ouais, carrément. Enseveli. Succès déverrouillé 003. Ils sont pas trop emmerdés pour les noms des succès, hein. 02, 03, 04.
Je vais faire. Ah, j'ai perdu mon truc. On m'a transféré ailleurs. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le nouveau Exode d'Abe. Tu sais. T'es prisonnier et t'essaies de t'enfuir. Bon goût. C'est ça, hein, c'est la matrice. Hein. C'est une production d'humains. Hein. Ah, j'ai un sacré trou dans le bide. Tire. Tu donnes des lys. Alors visiblement, très peu ont survécu à cet endroit. Comme moi, je suis le plus fort. Ah, c'est le désert. Je suis tombé de là-haut, quand même. Ok. Ok, ok. C'est brumeux, mais c'est beau. Bon, j'ai pris à droite, on verra si c'est le bon choix. Non, mais les terres désolées, quoi. J'espère que je loupe pas des machines sur la route. J'ai pas l'air con pour retrouver mon chemin après. Le désert de l'infini, quoi. Là-bas. La porte de Stargate. Là, si j'ai bien suivi, genre, on a réussi à s'évader, ou... L'ambiance devient de mieux en mieux. Ok... Des trous, toujours des trous. Quel est donc ce maléfice? Oh mon dieu. Un pénis géant. Qui se désintègre. Oh, c'est un vaisseau ça ou... Chelou comme truc. Les mecs ils se sont lâchés quand même. Ah mais c'est pas la salle où j'étais tout à l'heure où j'avais un visu ça ? Non. Donc maintenant je suis pseudo sorti de la prison, faut trouver un moyen d'y re-rentrer, c'est ça ? Là, une porte.
Vite, à l'intérieur, avant que je me fasse gober et que je finisse en trou. Ah, on rappelle quelque chose, ça. Bonjour, comment on se retrouve? C'est là où j'étais. Ça a été envahi par... truc chelou. Mais maintenant, je peux monter. Entendu un bruit. Bonjour. Je vis en ami, hein. Ok. Trouve une arme. Trouvez une arme. Ah, j'ai rempli le truc de boyaux, de je sais pas quoi. De toute façon, pas 36 moyens, faut suivre la bestiole. Coucou la bébête. N'est-il pas mignon? Oh mon dieu, on arrive aux testicules. Ça, je peux pas y toucher. Ça non plus. Il veut un câlin. C'est tellement ça. Fais-moi un câlin. Bon là, si j'ai bien suivi, il faut que je trouve de toute façon une machine de manière à me remettre un implant sur le bras, vu que je l'ai plus. Ah mais ça y est, je me vois. Ah, je suis chelou. Donc. Nope. Bon, maintenant, moi, je sais à quoi ressemble à peu près la machine à implant. Ah, bonjour. Donne-moi ça, Billy. Je pense que maintenant, je peux ouvrir les portes. Non. Dommage. Ah, je suis de l'autre côté de la pièce. Quand j'avais pris l'ascenseur, j'étais là-bas. Ok. On se repère quand même. Là-dedans. Voilà, ça va. Assez simple, hein. Est-ce que j'ai mon inventaire? Toujours pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai ouvert? Personne ne le sait. Partir dans l'autre sens. Retourner voir les testiboules. Est-ce que je peux faire un truc maintenant là-dedans? Oui. Oh mon dieu! On a cassé une testiboule! Ah ouais, il y a du temps! Ascenseur, est-ce que je peux? Ouais, ok. Il y a d'autres trucs ici, donc on y est. Ça a pas l'air. Je pense que je peux lui percer la testiboule si je vais assez vite. Est-ce qu'on essaye? Allez, plus vite! Non! Bah non. On peut pas. Hop, ascenseur. Où est-ce qu'on va avec ça? On monte. Bienvenue à l'étage.
Ça, c'est un appel d'ascenseur, ok. Bah t'es là, toi. Est-ce que ce sont tes testiboules en bas? Non. Ouais. Là, là, oula. Eh bien tiens, le chat, vous allez voter à gauche, tout droit ou à droite, c'est à vous de choisir. On va vous faire un petit poll, tiens. Le pop poll. Quelle direction? À gauche. À droite, tout droit, ou pour le troll, en arrière. Allez, vous pouvez voter. Comment ça, ça ne reste plus. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Voilà. J'ai dû enlever le en arrière, il ne voulait pas le prendre. Je vous laisse voter la direction qu'on prend. Peut-être c'est pas la bonne. Il existe une direction dans laquelle je me fais défoncer. Je pense. Alors sur la gauche. Gauche toujours. J'ai voulu voter presque terminé. Eh ben ce sera à gauche. Allez. Ah ouais, ce concept. On relie le cordon. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Je vais y arriver. Ah mais c'est à moi de le choper. C'est ici qui tombe bien. Je l'avais là. Ah putain, j'appuie trop tôt alors. Ah c'est parce que j'appuie trop tôt. Ok. Il y a des variantes, c'est cool. Et pratique cette clé. Je sais pas à quoi ça sert, mais on l'a fait. Ça c'est quoi? Oh, plus besoin de ça, Billy. Et petit problème. Donc j'aurais besoin de revenir ici. On retient à gauche, il nous reste un truc. Du coup. On désolidarise le bordel. Donc techniquement à droite, là c'est là d'où je viens. Donc voilà en face. Let's go. On peut pas. C'est la merde. Eh ben ce sera là. Ouais.
Ok. Salut toi, comment on se retrouve? Attends, j'arrive. Je peux pas m'attendre. Là, je ne peux rien faire. Ah, si, attends, il y a un passage là. Je l'avais pas vu. Y a-t-il quelque chose? Que dalle! Il y a un petit passage ici. Je suis passé de l'autre côté. Est-ce que ça, je peux le stopper du coup? Ouais. Bim. Bim. Et le numéro 3, bim. Encore en prod. Ok, maintenant on peut passer là-bas. Par contre, ici. Ah ! Dégage, saleté ! Attrape ça, Billy. Non mais j'arrive où il vient de fusionner avec moi là. Ah non, non, il a fusionné avec moi. Ok. Ok. Tout ça pour que j'ai mon truc. Eh, j'avais pas besoin de toi pour l'avoir tout à l'heure. Hein. Ah, il est... D'accord. Concept. T'avais dit, il voulait un câlin. Ah ouais, non, mais sacré câlin, mais il veut pas me lâcher là. Regarde-le, il est collant. Est-ce qu'il est collant? Alors, maintenant que j'ai arrêté ces ventilos, normalement je peux passer. Qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant je regarde tous les angles, je vais devenir parano avec ce jeu, de peur de louper un truc. Là. Here we go. On s'habitue à force. Sacré câlin, ouais, quand même, qui m'a fait. Donc, ça fait 2 sur 3. On a un ascenseur. Or. Bah tiens, ça faisait longtemps. Allez, pété. Impeccable. Donc on se rappelle, dans le premier tunnel, il y avait un truc que je pouvais pas utiliser au début. Là, je vais ouvrir, c'est peut-être un accès rapide. Open the door. Je pense que c'est un accès rapide. C'est ça. Ça, je peux toujours pas. Alors, donc maintenant, il faut que je passe par là.
Ça me fait quand même faire accès rapide, je trouve que ça fait presque des tours, mais bon, bref. Non, pas celle d'où je viens, je suis con. De retour sur le testiboule. Mais c'est encore trop tôt. Il manque encore des choses à faire. On remonte. On va aller faire le truc qu'on pouvait pas faire tout à l'heure. Donc depuis ici, c'était à gauche. À gauche. Quand même un monde bizarre, hein. Je peux pas dire, mais pas tous les jours qu'on traverse des intestins. Maintenant, je peux utiliser ça. Alors. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Pour libérer le passage de l'autre côté. Donc là. C'est bon, faut quitter. T'as réglé, y en a plus. Impeccable. Travail de pro ça. Là, c'est en face. Let's go. Ah, pas celui-là. Invisible. Ah, je l'ai loupé. Ah, je vois pas. Allez, chope-le ! Je l'avais là. À moins que... Oh le bâtard, t'es à côté. Ah, c'était à côté, les enfoirés. Je crois que c'était en dessous, quoi. C'est ça que je galère depuis tout à l'heure. Oh, clé améliorée. Quelle bande de salauds. Maintenant que j'ai ma super clé, je peux aller déverrouiller les testiboules plus longtemps. Je parie. Là, ça part à gauche. Direction la salle du testiboule. Qui est en dessous d'ailleurs.
Et là, ça va le faire. Oh, y a tout qui tombe. Eh, Pépé, prends-moi mon truc. Alors, avant toute chose. Ok. J'ai compris le business. Donc, il y a un truc à faire là-dedans. Ok. Putain, c'est chaud ça. C'est chaud. On commence. En gros, faut que j'arrive à tout placer de manière à quasiment tout rentrer en même temps. Et ça, ça en fait. Donc faut que j'ai... Ah non, ça me le laisse en place. Vous êtes enfoiré. Je peux pas le sortir du coup. Remets tout à zéro. Donc il faut que j'ai 8. Oh là 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 la merde. Oh la merde du truc quoi. Ok. Okay, okay. On les a ouverts. Ils éclos. Quel bordel. Maintenant je peux toucher à ça. Merci. Ouais mais t'as raison, connecte-toi avec des tuyaux bizarres. Billy, j'arrête ça de suite. Bien ce que je disais, c'était des testiboules, il est né. Et d'autres trucs. Et je suppose que le truc que j'ai récupéré sert à ouvrir les fameuses portes. Donc, la porte, est-ce qu'elle était là? Je crois que oui. Elle était là. Maintenant, je peux ouvrir ça. Ok. Donc, je reviens à la première salle. Et du coup, est-ce qu'il y avait une porte que j'avais à ouvrir ici? Rien d'autre. Je sais pas s'il n'y en avait pas une en bas. Donc l'ascenseur il est là, ah, ça s'est effondré, merde. Ça c'était pas prévu.
Alors comme par hasard quand on veut te faire prendre un seul et unique chemin, alors qu'avant il y en avait deux. Tu la sens venir la couille dans le potage ? Porte. En gros je peux plus descendre, je peux juste passer là. Et autre truc. Moi je fouille hein, maintenant je... On passe pas une zone sans fouiller. Ascenseur. Ce monde est bizarre. Je sais pas si le jeu est très long, par contre, du coup. J'ai aucune idée de la durée de vie de ce jeu. Oh. Ah, ça y est, là. Lâche-moi! Non, mais arrête avec tes câlins. Et cette chose. Amélioration. Petit mollusque. Ah, l'injectez pas trop quand même, hein. Ok. Je sais pas à quoi ça a servi, mais c'est fait. Là, ici. Ok. Donc là, on est dans la salle que je voyais depuis le début. Là, c'est la grande salle où il y avait le train, là. C'est le truc que je voyais depuis le début et auquel j'avais pas accès. Maintenant, c'est bon. On y arrive, on fait le tour. À peu près 8 heures de jeu, d'accord. Tu l'as fini, tonton? Ok. Et alors, est-ce que t'as kiffé, Anton? C'est très compliqué. Bah écoute, j'ai déjà eu des moments galères, donc alors par la suite hein, mais je me doute qu'il y en aura d'autres. Attends, j'étais pas déjà venu dans cette salle, ça me dit un truc. C'est là où j'étais au début, ça. Perso, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est la salle où j'étais au début et ici je pouvais pas ouvrir. Ok. Enfin! Tout ça pour un ascenseur de merde! Tout ça pour avoir l'accès au troisième étage, quoi. Voilà, nouvelle zone. Ça, à chaque fois que je passe une zone, tu sens que ça charge, hein. On va attendre un peu, on va stabiliser, on va faire 3 mètres, ça va charger. Allez, tranquille, voilà, on attend. Ok. Here we go. Nouvelle zone. Allez, à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Visiblement, on va être accueilli. Surtout que tu dois résoudre des trucs, ouais, mais c'est ça. Hein. Ok. Oh là 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 là. Oh là là, il y en a de partout. Il y en a de partout! Bon, on commence. Amélioration. Maintenant, t'as 2 points. Oui. N'empêche, le mec qui a développé ce jeu. Soyons d'accord, parlons-en 2 minutes. Il était un peu cintré dans sa tête quand même.
On est d'accord. Type, il avait... Il était pas très net, hein. Je suis tellement concentré sur le jeu que je parle pas, j'essaie de comprendre. Ah non, il a... Il a quand même un petit pète au casque, le type, faut le dire. Si vous aimez bien ce style, un film d'ailleurs que je vous conseille, que j'ai pas vu moi depuis très longtemps, mais qui est un peu perché dans le même genre, c'est Existence. Si vous avez jamais vu ce film, je vous conseille. Attends, là c'est là d'où je viens, je suis ressorti, ouais ok d'accord. Donc à gauche. Porte niveau 2. Ça dit quelque chose, c'est avec un genre de pistolet qu'ils trouvent à chaque fois qu'ils arrivent à monter avec des os, des machins et... Salut toi! Viens ici. Lâche pas comme ça! Arrête de cracher, pas bien. Pas bien de cracher sur les gens. Ah, je l'ai loupé! Tiens! Un truc de soin là. Aïe. Eh oh. Eh oui. Oh bah voilà. Voilà, bah impeccable. Putain, il m'a coincé le con. Ah, il est bloqué. Mets le pied dessus. Bon. Elle est cette chose. Ouvre la porte. Une brochette, c'est ça. Puis qu'elle s'allume un petit feu, on se fait un marshmallow, hein. Hop. Porte sur des portes, sur des portes. Sur des portes. Allez, coupe tout ça. En gros, on dirait un genre de truc un peu futuriste, on va dire, à l'ancienne, machin, etc. Mais qui a été, genre, infesté par un virus. Chelou. Dans le trou. Faut pas le louper, faut mettre dans le trou. Ah, putain, je le loupe. Là. Non, coupé. De là. Aïe. Putain, mais ma santé. Je suis mort. Je suis mort. Néo, première mort. Lève-toi, Billy. Bon, faut que j'arrive à voir comment comment gérer ces trucs. Techniquement, si je lui mets en pleine tronche... Alors, je sais pas si en fait, tout à l'heure, c'était un final. Est-ce que je l'avais touché suffisamment de fois ou pas. C'est ça le truc. Donc ça va au moins sauvegarder ça quand même. Oh les enculés. Oh les salauds. Oh les salauds. Bon, l'avantage c'est qu'au moins je sais où c'est. Hop, mise à jour. Là il faut recommencer du début à chaque de chaque zone. Ça c'est compliqué par contre. Surtout que là j'ai pas une arme de ouf de dingue de la mort qui tue pour l'instant. Le truc ça tire toutes les 10 secondes. Et tu peux toucher à 1 mètre. Ah merde. Allez tire. Ouais, je pense que c'est un finish en fait, faut le toucher plusieurs fois quoi. On recommence. On va essayer de pas se faire tuer ce coup-ci.
essayer d'esquiver. Oh, il y en a plein. Savez-vous, il y en avait 3 en tout. Ah, mais il y en a que qui se relève. Déjà, ça va. C'est correct. Allez, allez, allez. Courant, 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 on esquive. Hop, on lui en met une. Je peux pas tirer. Alors, il y a des fois, je peux tirer 2 fois d'affilée, d'autres fois, non. Mort. Voilà. Par contre, c'était pas bon. Encore tourné. Remets-y un petit coup. Ok. Non, c'est pas ça. J'ai loupé un chapitre. Mais d'accord, en fait c'est pour passer là-haut. Ok, c'est bon. Ça a rien à voir avec ici, moi je voulais passer en bas, c'est là-haut qu'il faut passer. Voilà. Demi-tour. Ouais, je m'en doutais, il va y en avoir partout, ça va plus maintenant. Rends-toi ça et ça. Putain, j'ai pris cher. J'ai vu qu'il y avait. C'est quoi déjà? Il y a un truc pour le soin, mais je sais pas si j'ai du soin par contre. Oh la touche. Je dirais inventaire soin. Ah voilà. Oui, ça soigne par contre. D'accord, c'est le sang que j'ai injecté dans le bordel en fait, c'est le soin. Ok, je comprends. Suivre. Donc maintenant, vous étiez pas là tout à l'heure. Par là. Là, il y a la fameuse zone où j'ai fait la mise à jour du petit rond. Et du coup, à droite, maintenant, je peux passer. Voilà. Se calme hein. Il me faut une arme plus puissante. Quoi sert ce truc? Ok. Ça, c'est valide. Ah, oh, c'est pas le moment, Billy. Sortir de là, oui. Oh non. Yeah. Maintenant, que faisons-nous là-dedans? Ça, je suppose que ça va la ramener ici. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et tire! Ici. Bonjour. Fuyons.
courage. Ah putain, mais il fait mal ce con. Ouais, mais... Soin. Ça pas l'ambiance. Ah lui, il est plus gros que les autres, lui. Lui, il est un peu trop gros pour l'instant. Déjà que les petits je galère, alors lui n'en parlons pas quoi. Ça c'est le truc qui va me faire comprendre qu'il fallait que je fasse demi-tour. Non ? Ah non. Ok. Oui, parce que là ça va aller attraper au fond, donc il faut que je remette la bubule que j'avais là-bas pour que ça l'attrape et que ça vienne ici. Ou alors que je bloque ça d'abord. D'abord mettre celui-là. Ah voilà, il vient la récupérer là. Là, on refait un petit tour. Moi j'ai pas fait. En bas il y avait un autre truc, un autre passage là-bas, je suis pas allé voir. Hop, re petit tour gratuit. Place devant la pince. Mais Billy, tu es con ou tu l'as fait exprès? Pourquoi il l'a pas attrapé ce con? Con ou quoi? Pourquoi tu l'attrapes pas? Bon, ça se complique. Ça se complique. Alors. Alors. On va redescendre. On va aller voir d'abord ce que j'avais vu à gauche. Ils sont cette zone et après on monte. Qu'avons-nous ici? Oh là là, ça repart. Oh là là, le labyrinthe. Et il y a des petits bordels partout. Sacré Billy, c'est ça. Putain de Billy. Bah vas-y hein, à quoi ça sert? Nouvelle bouboule. Mais il faut d'abord qu'elle soit en place. Ok. Donc faut ramener une boule jusque là. Mais en fait, c'est la boule qui est là-haut que je vais ramener jusqu'ici. Donc. Ah, c'est peut-être celle-là en fait. Celle-là, elle est là, mais elle bouge plus.
Et à l'autre bout, ok, on y va. Vas-y, casse tout là-dedans. Coupez-le. Ok. L'intérêt, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est là. Faut même pas, je viens de voir. Bonne journée. Salut. Non, 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 non. Là, elle est plus là. Je peux plus sortir. Je ne peux plus sortir par là. Donc, je suis obligé d'aller voir l'autre guignolo. Salut toi. Hop là. Alors je sais pas comment j'ai fait pour lui mettre un tir spécial tout à l'heure. Là. Là dans ta gueule. Voilà. Ah, j'ai pas vu, en fait j'ai déverrouillé l'accès de ce côté. Donc. Ah oui, du sang. Je veux du sang. Hop, on profite, petite pause boisson les amis, parce qu'il fait soif. Il y a encore de la sans-quête là-dedans. Ou je rêve. Non. Pas de sans-quête. Par contre, on va se soigner un petit coup quand même. Si, vas-y, vas-y, un petit soin. Voilà, on met de la life. Ok. Par contre, la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'en général, quand on donne de la vie, c'est pas pour rien. On peut pas passer. Du coup, faut aller là. Je t'ai vu. Dégage. Allez, esquive. Une tape, esquive. Esquive. Une tape. On esquive. Aïe, putain, il m'a touché pas, mais mon frère. Merde, mais je le loupe en plus, quel con. Il est pas mort. Voilà. Lâche-le. Ils sont costauds, hein, ces cons. Moi, je te vois pas, toi. De là. Il y avait rien, non. Ça c'est dégueulasse. Pour en tuer un quand même. C'est un peu corsé le bordel. Ces petits trucs me font penser au bébé qu'il y a dans The Forest par contre. Oh Billy. Aïe. Putain. Oh calme ça. Ah mais en plus, ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Non mais oh. Oh non.
Enchaîne, hein. Il manque j'ai une arme mieux que ça, sans déconner. Là, c'est vraiment l'arme du pauvre. À droite, y en a un évidemment. Ah et... oh, putain, y en a deux. Non, oh, je suis bloqué. Ah oh, non, non, pas là, pas là, pas là, je me bloque. Ah oh, putain. Ah bah putain. En niveau soin, ça va être tendu. En fait, comment... Ah ouais, d'accord, j'ai les charges à droite en fait, je peux faire deux coups. Putain, ça galère. Bébé dans The Forest hyper chiant. Ouais, non, mais ça, tu sais, les trucs qui te sautaient dessus tout le temps là. D'ailleurs, vivement la suite, hein, The Forest, moi j'attends la suite avec impatience. Février, normalement, si tout va bien. On y croit. Nanana. Et ah, faut espérer qu'ils soient pas repoussés ce coup-ci, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Lim. M-E-R-V-E. Qu'est-ce que les autres se font? Ah ouais, d'accord. Allez, monte. Là, je vais pouvoir passer. Fonce. Là. Ah, il m'en veut, lui, hein. Il veut me bouffer, le salaud. Normalement, c'était même avant ça. Au début, c'était en... à l'origine, c'était même en avril ou mai, je crois. Il devait sortir. Mais bon. Il a été repoussé encore et encore. J'espère que au moins... le jeu en voudra la chandelle. I need some blood if we have. Ah oh, putain, je t'ai pas vu toi. Ici, ici. Non, non, faut pas leur faire planquer là, dégage. Putain, mange ça. Voilà. J'en ai un autre. Regarde partout. De là. Par contre là le finish pendant qu'il y a votre carré, c'est pas une bonne idée. Voilà. Elle est morte, ça le plus. Il y a un truc. Ça c'est un truc ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a du sang? Moi je veux du soin. En PLS. Oh là là, il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout. Ah, nouveau pistolet. Oh. Ok les gars. Là, je dis oui. Mais j'ai pas les balles.
que c'est que ça. Des balles. C'est des balles. Est-ce que du coup je peux en reprendre? Non. Donc, maintenant j'ai... Ah, j'ai des embouts en fait. Ça. Ou ça. Bah moi je vais rester avec ça hein, parce que... À un moment donné... On a des conneries. Par contre, faut pas louper ses tirs. Là, j'ai quelque chose. Et de toute façon, j'ai rien d'autre. Let's go. Ah mais il y a celui-là aussi. Comment celui-là peut être à la fois comme ça et comme ça? On va pas. En gros, allez, je sépare ça. Putain, attends. J'ai compris le système et je le comprends plus là. Galérer celui-là aussi. Deuxième commande. Montrez-vous les billes.
Là, ça va ouvrir en dessous. Voilà. Il faudra le troisième pour revenir tout en bas. Comme ça, je pourrais récupérer cette fucking ball. Bon, je sais pas si on finira le jeu ce soir, les amis, mais je pense que là on aura à travers minuit et demi, un truc dans le genre. Donc, à mon avis, on finira pas ce soir. Mais en tout cas, il est très, très sympa. Je finirai peut-être sur ma chaîne tout court, passer un soir. Non, faut que je reste dedans, je suis con. J'ai en dessous. Bon, tant pis. On prend les mêmes et on recommence. Ouais. On va tout en bas. Hop. Ouais, t'es sûr. Oh non, sont sérieux. Ah, je dois pas te reprendre du début, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. Pas comme ça. Non, ça va. Par contre, j'ai toujours pas de santé, donc je prends un coup, je suis mort. Un coup dead. Faut que je m'occupe du tout petit en premier parce que c'est lui le plus casse-couille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Pour le petit, après je m'occupe du gros. Et où le petit merdeux là? Oh mais non. Ça va être compliqué si je meurs en boucle. Je sais pas comment faire. Ouais. C'est dur. On va remettre plus de stations de soins hein, parce que la vie elle descend quoi. Je vais essayer avec le gun, hein, direct. J'espère que ça one tap, hein. Par contre. Niqué en fait, j'ai même pas besoin de les tuer. Ah! Les câbles. Au dernier moment. Petit réflexe. Saloperie. Endroit qui sert à rien, juste te buter. Ta gueule. Il y a du sang là, oui. Un coup ça suffit pas. Et quelle arnaque. Ah yes, du soin. Alléluia.
Ah non, ça c'est dégueulasse. Il est pas mort. Une munition en charge. En vrai, je finis avec ça. Je pense que là, avec ce qu'il a pris... Voilà. Évite de gaspiller des balles. Et on se soigne. Parce que marre de crever en boucle. Vas-y, vas-y, mets tout. On se met à fond. Y'a moyen à reprendre ou j'ai tout pris? Moi, j'ai tout pris. Évidemment. Gourmand, va. Par contre, il y avait un truc derrière là, j'ai vu. Pas l'utiliser. On y retourne. Ça, ça peut séparer ou ça. Et lui, quand il est là, il est bon. Ensuite, lui. Oh là là, il fait tourner. Oh là 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 là. Lui, faudrait qu'il tourne de prendre. Je fasse tourner aussi. Oh là là, c'est compliqué ces trucs. Ça commence à devenir simple l'histoire. Mais on est bon. Il reste que lui. Il faut que je fasse ça. Ça. Là je fasse tourner. Pas celui-là. Ah, j'étais presque, putain, un peu déco. Oh mon jeu, ça j'aurais déjà mal au crâne, hein. Tu m'étonnes. Donc là, je fasse ça. Ça. C'est chaud. Merde, on va tourner.
Faut du calcul. Hein. Ah ouais, tu rigoles, hein. Ça, ça doit être là. Ah, mais je peux utiliser celui-là aussi. Ça, je savais pas. Il est en face. Lui, ils sont en face. Il est en face. Ah putain, ça a rebougé lui quoi. Je croyais que j'étais. Merde, à un près. Si je fais là. Et là. Là, normalement, ça bouge plus là. C'est ça. Là, du coup qui est pas bon. Donc celui là bouger ça, voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, aidez moi sauvez moi de ce monde, merci. Donc il y avait un truc derrière, ça sert à quoi, à quoi ça sert, on peut pas y toucher. Ah, à moins qu'il fallait peut-être l'autre. L'autre en but. Non. Bon, là j'ai la dernière reprise. Merci, merci, merci. Or toi, même pas t'y penses, tu regardes, hop, esquive. Ça fout. Je suis bon étage, vite. Allez. Pas gaspiller des munitions. T'as mal au crâne. Pour l'instant ça va. Mais ça pourra arriver, effectivement. Allez, la dernière. Ouh, quel bordel. Ça pourra avoir une bouboule. Mon cerveau est en stand-by, donc ça les yeux regardent. Ah mais y'a de quoi, hein. Il est compliqué, hein, quand même. Ce sera plus simple demain, hein. Demain The Devil in Me, pas compliqué, oui ou non, mort ou vivant, point. Non mais il est cool, j'aime bien quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu comme ça avec des grosses énigmes dedans. Alors faut pas ici, c'est en dessous. Totalement hâte, bah demain soir. Demain soir on fait ça. Donc maintenant normalement je peux l'attraper, ma bubule. Il faut que je tombe au bon moment par contre, sur le bon timing. Ah, oh. Heureusement. Ça aurait été la blague, il faut appuyer sur le bouton pile au bon moment. Ok, on la tient. Allez, bubule.
On repart en arrière. Lui, la bouboule. Maintenant, faut l'attraper. Avec toi, ici. Voilà. Et... Oh non. Et que là ou là, y a pas 36 solutions. Okay. Et moi je veux ni l'un ni l'autre, je veux ceci. Donc là, maintenant, il faut aller tu. On la met là. Pause. Sors de là. Et depuis là, normalement, je peux l'envoyer au milieu. Et je vais enfin pouvoir faire le tour. Quelle galère! ...06, succès, ouais. On avance. Here we go. Évidemment, à partir de ce côté... Non, ça va, y'a pas l'autre. Ah si, ça l'a fait bouger en même temps, ça. Heureusement. Ok. Eh ben putain. Quel bordel. Ah, lâche-moi, Billy. Putain, avec tout le sang que j'ai perdu, sans déconner. Mort depuis des lustres. Hein. Pas un moment où tu veux l'enlever ou... Là, il est en train de nous bouffer, quoi. Munitions. C'est beau. Oh, des testiboules, le retour. Comment ça là? Comment ça? Alors mon porc, tiens. Pressurise la tronche. Oh char. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Qu'est-ce donc que ceci? Attends, pour l'autre machine. Allez, purge! D'accord. S'il y a une raison, je ne sais pas encore. Gros que les autres. Oh, lui est très gros. Ah, ah, mais laisse-moi bouger quand même. Putain. Ah, je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater.
Eh ben putain. On va reprendre au début, je suppose. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, on reprend au début. Si j'allais à gauche, il y a quoi à gauche? Il y a rien. Ah mais non, c'est là d'où je viens. Ok, bon. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense qu'on aura bien avancé déjà. Le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Je kiffe bien l'ambiance. C'est plutôt sympa. Beaucoup d'énigmes, c'est vrai qu'il est dur. Hein. C'est vrai qu'il est, il est quand même chaud. On le continuera. Hein. J'ai envie de le faire jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça. Peut-être dimanche ou lundi, je sais pas, on verra. Je ferai un petit stream en plus. Pour faire la suite. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 21h pour faire la suite du live sur The Devil Enemy en compagnie de Oda ce coup-ci, qui sera là et on va voir s'il va garder ses persos en vie. Du coup, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Salut tout le monde!